Donc j'ai eu les mêmes sentiments que j'ai eu en 2017, au fur que l'agence, quand j'étais aux affaires, a organisé l'éthique de la recherche en sciences de la santé à la droite. Et j'ai été très bien accueilli grâce au savoir-faire de la direction générale de la recherche qui a mis en place là-bas le centre de recherche des civilisations des sciences islamiques. في هذا المقام الكريم حظيت بلقاء une autre personne qui m'a beaucoup impacté, l'Oustad, le docteur Zid Elkhir. Donc, quand on organisait en collaboration avec le centre et l'université de la Rouate, notre workshop en quelque sorte sur l'éthique de la recherche en santé, donc il fallait parler, s'exprimer en arabe. Donc, à chaque fois, M. Zid Elkhir parlait avant moi, donc il m'éclipsait. On a convenu avec lui que je parlais avant lui. C'était la même chose. Donc à chaque fois, je suis éclipsé. Donc parler après vous ou avant vous, monsieur Aourak, ça sera toujours l'éclipse. Encore une fois, merci de nous offrir cette belle ambiance, très, 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 très traditionnelle, pour que la médecine se place autour des technologies. Avant de planter le décor et d'aller sur ma présentation, mon rêve, mon ultime rêve, c'est que les universités Lustho, mesdames et messieurs, a un avantage clé. Elle est là, à proximité. Il y a l'hôpital Awal Novembre, l'hôpital hospitalo-universitaire. Il y a l'hôpital régional de la police. Il y a le centre qui était prévu pour la recherche en cancérologie et qui certainement va être peut-être un CAC, un centre anti-cancer. Il y a le centre des brûlés, il y a le centre de transfusion et bien entendu, il y a le centre régional des transfusions. Et on devait éventuellement construire l'agence à côté, pour mettre la plateforme collaborative et de créer cette interconnexion entre les technologies et les sciences médicales. Mesdames et messieurs, je vis une hantise qui est la suivante. C'est celle de les médecins, et je remercie mes deux amis qui sont médecins qui sont aujourd'hui parmi nous. Nous vivons sur des tours d'ivoire. Nous sommes coupés un petit peu des sciences et des technologies. Et ça, c'est un handicap. La médecine du futur est une médecine où tout est intriqué, où il y a l'interdisciplinarité et il y a la transsectorialité. Et on va le voir ensemble. Très bien. Avant de démarrer mon propos, je voudrais déclarer mes conflits d'intérêts. Et vous les voyez bien ici. Ils sont au nombre de 10 ou 12. Mais ce qui va venir, je n'ai aucun conflit d'intérêts. Alors, mon intervention aujourd'hui va cerner les technologies émergentes qui ont impacté et la médecine et la santé. Il y a deux visions différentes et on va les voir. Que ce soit la médecine et plus large encore, je parlerai des sciences de la santé, bien entendu. Alors, ces innovations technologiques, on le voit bien ici, ont déjà révolutionné et vont révolutionner à l'avenir toutes les sciences de la santé et particulièrement la médecine. Ce qui a lieu, ce qui a impacté en premier, déjà il y a quelques années, c'est l'imagerie. L'imagerie médicale qui a fait un saut, un grand saut en matière d'imagerie, où il y a eu une implémentation des technologies, l'IRM, le scanner, les systèmes 3D, on va le voir tout à suite. Par la suite. Mais je vous inviterai à la fin de cette conférence ou cette présentation, beaucoup plus, de vous inviter à voir un petit reportage qui a été fait il y a quelques années où il y a la vision futuriste des laboratoires miniaturisés, de la médecine régénérative.
Et encore, le futur, les prothèses intelligentes qui sont commandées par des systèmes implantés avec des micropuces. Très bien. L'homme, mesdames et messieurs, est pris en sandwich. Il est pris en sandwich par la technologie et surtout par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout récemment, c'est plus l'intelligence artificielle, c'est la GPT éventuellement. Alors, ce qui se passe, pour revenir en arrière, en 2010, vous voyez sur cette image qu'il y a très peu de smartphones et pratiquement pas de prise de photos. En 2020, il n'y a que des smartphones. Donc, il y a eu un bond en matière de numérique au niveau de la population. Donc, il y a une vulgarisation de l'utilisation de la technologie. Alors, en 2050, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et en 2100, est-ce qu'on sera toujours avec nos smartphones ou avec nos tablettes? Je dirais non. Mais elles vont passer où, ces technologies qu'on a utilisées pendant ces dernières décennies? Alors, l'avenir, c'est là, c'est ça. C'est la connexion et c'est surtout, bien entendu, ce que vous voyez ici, l'objet qui est connecté que nous portons actuellement, ce sera sur nous et pas sur les smartphones. Donc, ça sera éventuellement les nouvelles technologies qui vont révolutionner nos cerveaux. Et on le voit bien sur cette plaque. Donc, le cerveau prendra des implants avec des puces qui seront à l'intérieur. C'est comme les prothèses. Hein? Nous sommes dans une mondialisation. Je ne peux pas ne pas citer la Russie ou la Fédération de Russie. Alors, vous voyez bien que l'intelligence artificielle, le président de la Fédération de Russie, Poutine, lors d'une conférence avec des technologies organisées en Russie, lors de cette conférence avec les étudiants, il a dit que l'avenir, non seulement de la Russie, mais de toute l'humanité, c'est les technologies émergentes, entre autres l'intelligence artificielle. Elle amène des opportunités colossales. Mais pas que cela, mais aussi des menaces. Donc, il y a des opportunités, il y a des menaces avec cette intelligence artificielle, on va le voir. Celui qui deviendra leader dans cette nouvelle approche, bien entendu, maîtrisera le monde. Donc, celui qui maîtrise l'information et l'intelligence artificielle maîtrisera certainement le monde. Et il est fortement indésirable et n'est pas conseillé pour que ce soit entre les mains d'une seule personne ou d'un seul pays, bien entendu. Et donc, déjà en 2017, lors de cette conférence, il a dit que dans ce domaine, nous devons partager le savoir-faire de cette technologie avec le monde entier. Donc, les pays en développement doivent s'inspirer et doivent prendre ce train des technologies émergentes, pas uniquement en mathématiques, en physique ou nanotechnologie, bien entendu, même en médecine. Quel est le futur immédiat aujourd'hui? C'est quoi le futur immédiat? Alors, le futur immédiat, c'est ça. C'est des objets connectés, c'est les big data, c'est la connectivité et bien entendu l'intelligence artificielle. Donc l'essence, le carburant, la communication et le cerveau. Très bien. Si je prends la revue Statistica qui a été publiée en 2022, la part un petit peu des entreprises qui sont en train d'utiliser de l'intelligence artificielle. Nous sommes ici à 41% en matière d'informatique. 41% où se partagent toutes les technologies et particulièrement les sciences médicales. Mais ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est ça. Les données sont le nouveau pétrole. C'est ça le savoir-faire. L'avenir, c'est les technologies. L'IA, c'est la nouvelle électricité. Et les objets connectés, c'est le nouveau cerveau. Très bien. Vous voyez qu'il y a une intrication des technologies et ce qui se passe au niveau du corps humain. Donc, avec une caméra thermique, on pourra savoir si vous êtes en colère, si vous êtes anxieux, si vous êtes dépressif, si vous êtes en train de mépriser votre entourage, si vous êtes surpris ou vous êtes neutre. C'est ça
la clé, c'est ça, l'anticipation. Et tout ça, on va le dupliquer au niveau de nos patients éventuellement, ou au niveau de nos systèmes de soins, ou notre gouvernance en matière de santé. Très bien. Eh bien, le revers de la médaille, c'est que l'intelligence artificielle ou ces technologies n'ont pas d'éthique. Il va falloir qu'on balise tout ça. Ça, c'était en guise d'introduction de mon propos pour aller au vif du sujet qui est comment ces technologies assistent le praticien. J'aime pas le médecin, je dis le praticien. Le praticien et non le remplace. Elle nous assiste, elle nous appuie, elle nous accompagne, elle nous met en valeur notre savoir-faire, notre expertise auprès de nos patients. Je ne dis pas malade. Très bien. Mais avant tout, il y a quelques questions qu'il faut se poser avant. Est-ce qu'on est utile ou on n'est pas utile? Est-ce qu'on est efficace et efficient ou au contraire, on s'éloigne des patients et on s'éloigne des soins? Parce qu'il y a la problématique, c'est la qualité de nos soins. C'est l'assurance qualité de nos soins. Alors, quelle éthique, quel apport de ces nouvelles technologies? Est-ce que ces progrès réalisés grâce à ces technologies aujourd'hui, est-ce qu'elles sont au service de l'évolution en matière de qualité, en matière de soins? Et est-ce que ces nouvelles technologies nous rapprochent de nos patients ou nous éloignent de nos patients? Je vais citer quelques exemples pour un petit peu matérialiser tout ça. Bien entendu, quelles sont les dispositions pour protéger les données de nos patients? Parce que c'est important, la donnée. La donnée est importante. Vous faites un scanner aujourd'hui à des patients dans un service d'imagerie médicale, via Toshiba ou un autre concessionnaire, pour citer que Toshiba ou autre, il vient vous actualiser la mise, comment dirais-je, l'actualisation de vos logiciels. Donc, il prendra vos données et il pourra les exploiter pour améliorer la qualité de l'image et la reconstruction par la suite. Donc, ces données doivent être protégées par rapport à ces technologies émergentes. Quels sont les enjeux pour nous, pour l'Algérie, pour notre ministère de l'enseignement supérieur en matière de qualité de formation de nos étudiants et quels sont ces enjeux pour la santé publique algérienne? Alors, comment vont-elles révolutionner ces technologies? Comment les intégrer? Et comment créer, comment dirais-je, un cadre propice à l'émergence en Algérie de ces nouvelles technologies? Alors, pour cela, je dois vous dire que la santé numérique en Algérie est un engagement de la part des décideurs, des pouvoirs publics. Donc, elle doit s'appuyer sur une stratégie intégrée. Elle doit, bien entendu, encourager l'usage approprié, bien entendu. Il va falloir quadriller, normaliser par rapport à ce qui se passe à l'international. S'attaquer à nos propres problématiques, chaque pays a ses spécificités, bien entendu, ses particularités et ses priorités en matière de soins. L'Algérie est un grand pays, plus de 1 200 km² de surface, 3 régions, le nord avec ses spécificités, les hauts plateaux et le sud. On pourra adapter ces technologies par rapport à ces 3 régions. Bien sûr, par rapport à la démographie et la couverture sanitaire. S'attaquer, bien sûr, aux obstacles, promouvoir la collaboration intersectorielle. Quand je dis intersectorielle, c'est entre interministériels, parce que la santé, c'est plusieurs départements. Il y a l'enseignement, il y a aussi les finances et l'action sociale, le ministère du Travail, et renforcer la gouvernance. Et surtout, une chose qui est importante, qui doit être au centre de tout cela, bien entendu, c'est le patient et les personnels soignants. C'est créer cet écosystème favorable où on peut faire pousser ces nouvelles technologies. Très bien. Chasser le naturel vient vite au galop. Enseignant hospitalo-universitaire. Donc, je vais parler un petit peu de ce qui se passe dans notre département ministériel en collaboration avec le ministère de la Santé. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes en matière de formation? Alors, en matière de formation, voilà ce qui se passe.
des apprenants, une faculté de médecine, il y a un peu de recherche, la promotion, parce qu'il y a des concours de maîtrise, bien entendu, de DSM, de doctorat, des études de sciences médicales. Il y a un autre département qui est impliqué, c'est la santé. Donc nous formons deux types de populations. Deux types de populations. Une population de médecins soignants pour la santé publique, pour la couverture sanitaire tout venant. Et nous formons des hôpitaux universitaires. Très peu par rapport à ce que nous formons, par rapport à la prestation de services, c'est ce que j'appelle les médecins soigneurs. Alors, les études de médecine, je ne vous apprends rien. La première réforme, c'était en 71. Donc, il y a un décalage aujourd'hui entre ce que nous formons par rapport aux nouvelles technologies, le troisième millénaire. Cette réforme des enseignements, il y a eu déjà une première refonte. Dernièrement, ça a concerné première année, deuxième année, troisième, jusqu'à la sixième année de médecine. Je dis bien refonte, mais pas de réforme. Mais actuellement, il y a un dossier. Il y a un dossier au niveau du ministère qui prend en charge une nouvelle vision pour mettre en place éventuellement des assises, un avant-projet pour les assises en sciences médicales, qui verra le jour très prochainement. Un deuxième projet, c'est l'école de médecine du futur ou l'école nationale supérieure, supérieure de médecine du futur. Nous avons souhaité que ce soit les sciences de la santé du futur, mais hélas, c'est médecine du futur. Alors, les recommandations à l'international, les recommandations de l'OMS, c'est quoi? C'est que nous devons former un médecin aux 7 compétences, mais il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, le dernier congrès qui a été actualisé en matière des compétences, le médecin doit avoir 7 compétences, minimum, 7. Il y a quelques années déjà, hein. Donc, il doit être un expert dans son domaine, il doit être un bon communicateur, donc la transmission, bien entendu, un bon collaborateur pour trouver la collaboration, pour qu'il y ait la transdisciplinarité, l'échange. Il n'y a plus de décision unilatérale d'un médecin. Vous recevez, par exemple, une patiente qui a un cancer du sein, le chirurgien ne peut pas l'opérer de suite. Il doit prendre en considération les avis des autres. Il doit prendre celui de l'anapathe, l'histologiste, celui de la radiothérapeute, celui de l'oncologiste et le radiologue, et ainsi de suite. Et on va le voir. Il doit être leader dans son domaine, il doit être un promoteur de la santé, et ça c'est important parce que nous formons des médecins soigneurs, il doit être un érudit, un professionnel. Voici les 7 compétences il y a quelques années. Aujourd'hui, elles sont plus 7, elles sont en nombre de 14, et elles prendront en considération ces nouvelles technologies. Très bien. C'est quoi aujourd'hui les opportunités de ces technologies émergentes en santé? Elles sont nombreuses, leurs opportunités. Pourquoi nous devons en parler aujourd'hui? Parce qu'il y a 3 problématiques. Un allongement ou une augmentation de la démographie. Il y a plus de 1 200 000 naissances en Algérie, avec une augmentation de la population âgée. Et on va le voir. Donc il y a une augmentation de la longévité. Et bien entendu, tout le monde souhaite avoir de la qualité en matière de soins. Et bien entendu, tout ça, c'est des coûts. Donc la meilleure façon de trouver des équilibres entre la demande et le besoin, c'est d'implanter ces technologies, d'autant plus qu'il y a des déserts médicaux en Algérie. Pas uniquement en Algérie, même ailleurs, en Europe. Je citerai par exemple le cas de ces technologies, de ce qui se passe en Australie et aux États-Unis. Quand il fait jour en Australie, il fait nuit aux États-Unis. Il y a certains services où il y a des déserts médicaux. Donc, ils sont supplémentés par de la télésurveillance ou la télésanté des États-Unis en Australie. Et l'inverse est aussi vrai. Grâce à des technologies pour supplémenter ce manque de couverture sanitaire dans certains domaines. Et bien entendu, il faut une exploitation optimisée des ressources humaines, des ressources matérielles et financières. Je ne parle pas de l'open intelligence artificielle, c'est le chat GPT qui a un petit peu planté le décor ces dernières années. Une chose est importante, je l'ai dit dans mon introduction tout à l'heure, c'est que ces technologies, pour qu'elles prennent forme en Algérie, prennent forme, qu'elles poussent et avoir un impact positif au niveau de nos structures, il faut qu'il y ait les 3 communautés qui travailleront ensemble. C'est-à-dire les médecins ou les sciences de la santé,
le monde de l'ingénierie, de la technologie, et les mondes où il y a de traitement de la des traitements de l'information et de la communication, les TIC. Alors ça a été déjà promulgué et recommandé par l'OMS en 2019. Alors, le secteur de la santé en Algérie, on en a parlé un petit peu de l'enseignement supérieur et de ce qui se passe en enseignement supérieur, de la vision transsectorielle et transdisciplinaire, qu'est-ce qui se passe dans notre département au niveau de la santé? Alors, la santé doit relever le défi révolutionnaire technologique. Et pour cela, nous devons rapprocher les deux communautés. Et ça, c'est important. Et le cheval de bataille était, c'est de créer des équipes mixtes. Bien entendu, par rapport à nos problématiques, de les hiérarchiser et de les prioriser par rapport à nos besoins. Et bien entendu, de créer des hubs, des health data hubs. Alors, cette recherche où on doit créer les ponts entre la technologie et les sciences de la santé ou de la médecine. C'est de la recherche translationnelle, bien entendu. Je me libère, monsieur Aourak. Donc, vous savez, la passion qu'on a tous pour cette recherche. Donc, en amont, il faut des chercheurs et des ingénieurs qui sont parfois éloignés. On l'a constaté par rapport aux sciences médicales et au monde de la santé. Bien entendu, les mathématiques, la physique, les nanotechnologies. En aval, bien entendu, les médecins et l'industrie, on va le voir, c'est l'industrie qui fait promouvoir tout ça. Ce n'est pas uniquement l'État qui doit faire avancer la recherche translationnelle. Et il faut aussi la contribution, une part importante à mon avis aujourd'hui, c'est les sciences humaines et sociales qui est aussi déterminante dans l'implantation de cette technologie. Quels sont les domaines? Quels sont les domaines qui sont concernés? Il y en a au moins cinq. C'est celui du signal, l'imagerie, des technologies pour le développement des médicaments, les biotechnologies, le bio-engineering, tout ce qui est chirurgie robotique et autres techniques interventionnelles, les technologies associées à la santé numérique et la mise en place des plateformes collaboratives. Les plateformes collaboratives qui ne sont pas existantes aujourd'hui au niveau de nos hôpitaux ou nos structures hospitalières. Et moins, peut-être encore, dans nos structures universitaires. Alors, c'est quoi nos spécificités? Sur quoi on va s'articuler pour implémenter ces technologies émergentes en santé? Nous avons trois problématiques. Il y a trois transitions essentielles sur lesquelles le triptyque sur lesquelles on doit construire. Il y a l'allongement de l'espérance. Alors, 71 ans pour les hommes, 78,4 pour les femmes. Donc, il y a une bande de 30 ans entre 1962 et aujourd'hui. Nous sommes à la même espérance de vie de ce qui se passe en Europe, et peut-être mieux que celle des États-Unis, pour d'autres considérations. Donc, on doit avoir les problèmes. L'Algérie souffre des problèmes des pays émergents et des problèmes des pays qui sont en développement. Donc, nous avons les deux. Alors, comment on a les deux? Parce qu'il y a une étude épidémiologique avec l'augmentation des maladies non transmissibles. Essentiellement le cancer, donc il y a le cancer du poumon, cancer du sein, cancer colorectal, et le quatrième, c'est le cancer de la prostate, qui sont des préoccupations majeures, en dehors des maladies, des autres maladies, l'hypertension, le diabète, l'obésité et les dyslipidémies. Et troisième transition, bien entendu, c'est la transition socio-économique, une grande urbanisation et une grande industrialisation, qui va rajouter un petit peu de l'eau à notre moulin et elle va aggraver l'impact de ces facteurs de risque des maladies chroniques. Enfin, première partie de la présentation, je vais la clôturer pour aller sur la deuxième. Alors, nous sommes aujourd'hui face à une nouvelle révolution, cette révolution qui a changé notre vie professionnelle, la vie aussi des patients, parce qu'ils sont aussi numériques, ils sont dans le numérique comme nous. Donc, il s'agit d'une double opportunité, bien entendu, que ce soit pour nous, les médecins, ou les praticiens beaucoup plus, ou les personnels soignants, tous les personnels soignants, toutes catégories, ainsi que pour les patients. Et ça crée de nouveaux rapports. Et ça crée de nouveaux rapports, de nouvelles obligations, de nouvelles approches, de nouvelles demandes. Il va falloir qu'on réponde à cela, par rapport à tout cela. Par rapport au numérique. Avant, nous avons juste un stéthoscope et un tensiomètre que vous voyez ici, mais maintenant, on se balade avec ces petites tablettes qui sont de technologie qu'on peut monitorer des patients.
On peut les surveiller même à domicile. Donc, ils ont des petites bidules, des capteurs sur lesquels on peut le traiter même à distance. Et ça réduit un petit peu le coût des hospitalisations et le coût de la santé. Alors, toutes ces technologies au service de la santé, elles sont au-delà de 10. Je ne citerai que les soins virtuels, la robotique, l'impression 3D, la télémédecine ou la télésanté, le séquençage de l'ADN et les autres. Alors, est-ce qu'elles sont pertinentes, ces technologies? Est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes? Je vais répondre à cette question par la suite en vous présentant. Parce qu'avant, il y a quelques années, on était sur une médecine 3P, une médecine 4P. Aujourd'hui, nous sommes sur une médecine 6P. La médecine, elle est personnalisée. Si vous avez une maladie X, une pathologie X, vous ne réagissez pas au même traitement. Donc le traitement est adapté par rapport aux gènes. Donc il y a le séquençage. Donc tout le monde ne réagit pas de la même façon par rapport à une pathologie X. Donc il faut que cette médecine soit préventive et il faut qu'elle soit prédictive, participative. Elle est pertinente parce qu'elle est basée sur les preuves. Evidence-based medicine. Et elle est pluriprofessionnelle parce qu'elle est aux multiples parcours. Donc ces technologies nous règlent une certaine partie de cette médecine du futur qui est la médecine 6P, voire 8P dans un futur très proche. Il faut qu'il y ait une exploitation optimisée des ressources humaines, des ressources financières. Parce que l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des structures. Avant les structures, pardon. Elle a de la ressource humaine. Elle a des compétences. Elle a des structures. Elle a des équipements. Et elle a eu des financements. Donc c'est pour ça qu'il va falloir. Mais l'autre pays est grand. On peut avoir un avis d'un dermatologue à Tamanrasset. Si on fait de la télémédecine, on peut faire ne pas déplacer les patients qui sont à Tamanrasset par rapport à un centre référent en dermatologie ou là, en radiologie ou là en imagerie. Et pour cela, nous devons traiter nos propres spécificités, nos propres problématiques par une collaboration étroite entre les chercheurs ou entre les domaines ou entre les disciplines, entre les sciences de la santé, bien entendu, l'ingénierie et le traitement de l'information. Est-ce qu'elles nous apportent des avantages? Je vais citer ces inconvénients par la suite, mais aujourd'hui, je suis en train de faire le plaidoyer de ces avantages. Alors, voici les avantages. Et nous sommes contraints. Vous savez, je lisais dernièrement un papier que toutes les publications en médecine changent tous les 145 jours. Donc pour être en actualité, donc c'est extrêmement difficile. Et je vais vous donner un exemple palpable tout à l'heure. Donc ça nous évite de créer d'autres problèmes par méconnaissance de l'état d'avancée des sciences qui sont publiées. Ça diminue les erreurs médicales, surtout les erreurs en matière de calcul de posologie. Surtout c'est les patients qui sont en insuffisance rénale, qui ne peuvent pas métaboliser un petit peu l'élimination des drogues. Chez les enfants, les nourrissons, les nouveau-nés. Bien entendu, ça nous apporte une rapidité dans le diagnostic, ça augmente l'efficacité, ça diminue le coût, parce que vous réduisez le coût des hospitalisations, la durée de séjour, et ça répond à une demande sociétale de la part des patients. Parce que les patients maintenant sont au courant de ce qu'ils ont. Donc ils sont au courant parce qu'ils vont sur l'Internet, ils peuvent chercher et ils peuvent être en avance par rapport à l'état de l'information qu'on a. Et on doit aujourd'hui régler un problème du désert médical qui se passe en Algérie, les déserts médicaux. Nous avons un grand pays. Donc, par rapport à nos défis et par rapport à cette collaboration, on peut éventuellement tirer des avantages de ces nouvelles technologies. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, plus précisément, est au cœur déjà aujourd'hui et même hier dans la médecine et bien entendu dans le futur. C'est mieux orienter les patients, meilleure consultation à distance, de la télésanté. Je ne dis pas télémédecine, je dis télésanté. C'est important, c'est deux choses différentes, on pourra en discuter tout à l'heure. Elle accélère le développement des nouveaux médicaments, elle améliore le diagnostic et surtout la mise en place de l'IA dans la robotique. La robotique, et on l'a vu, il y a eu une explosion en Chine de la robotique quand il y a eu la COVID, la pandémie en Chine avec des robots médicaux. Et on va voir un petit peu l'impact de ces robots au niveau des structures hospitalières tout à l'heure.
Alors, c'est pour ça que j'ai demandé à monsieur l'organisateur de me donner un peu de temps pour être un petit peu élastique, de tirer un petit peu, parce que demain, c'est encore un jour congé, donc on pourra en discuter si vous voulez bien. Alors, voici l'OMS qu'elle a promis de cet impact de ces technologies au niveau de la santé du citoyen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux? Est-ce que dans nos hôpitaux, on est passé à cette numérisation? Peut-être pas encore, mais c'est en cours. Il y a eu des assises qui ont été organisées dernièrement, en 2021, non, 2022, je crois, non, 2022, 2022, en janvier 2022, où il y a une vision de la numérisation de la santé en Algérie. Alors, les hôpitaux qui sont passés à la numérisation et à la santé numérique sont plus performants et on va le voir. Ici, fidèle à moi-même, anesthésiste, ils utilisent déjà des robots en salle opératoire. Mais il n'y a pas que ça. On va aller sur le minimum de ce qu'on peut avoir comme numérisation pour nous alerter un petit peu et pour éviter des catastrophes. Très bien. Alors, quelques exemples pour être pratique. Je vais vous faire une immersion progressive dans ces technologies. De ces technologies qui ont révolutionné les sciences médicales et les sciences de la santé. Très bien. Je vous informe que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec Apple. Moi, je suis sur Samsung, donc pas de problème. Mais je cite à titre pédagogique, à titre didactique, la watch d'Apple. Alors, les patients qui ont des montres connectées. Merci, monsieur Aurac. Toujours. Vous me tirez, vous m'extirpez. Alors, c'est des montres qui sont connectées, qui peuvent numériser un petit peu le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque de battement. Ils peuvent aussi prendre la tension artérielle. Ils peuvent monitorer votre sommeil. Ils peuvent prendre en considération la fréquence respiratoire et lancer des alertes pour des patients qui sont susceptibles d'avoir des complications de troubles du rythme ou d'apnée du sommeil ou autre. Très bien. Quelques exemples. C'est la nouvelle ère. C'est les montres connectées qui font des alertes à des médecins. Le 13 déjà avril 2018, une montre connectée d'une jeune Américaine de 25 ans qui avait une pathologie thyroïdienne. La glande thyroïde sécrète une hormone, l'hormone thyroïdienne. S'il y a trop d'hormones thyroïdiennes qui sont sécrétées par cette glande, ça entraîne une accélération du rythme. Donc, ça peut entraîner une arythmie complète par fibrillation auriculaire. Le cœur fibrille, donc il ne se bat pas bien. Donc, elle était à 120, 150, et ce trouble du rythme l'a alertée, il a alerté le SAMU, et elle a été prise en charge. Très bien. Un deuxième cas, aux États-Unis toujours, c'est Apple, parce que c'est les États-Unis, bien entendu. Une adolescente qui souffrait d'une insuffisance rénale. Et comme vous le savez, quelqu'un qui a une insuffisance rénale, il y a des troubles métaboliques. Donc, il y a le potassium qui augmente dans le sang. Et ça entraîne des troubles du rythme. La même chose. Un homme a perforé son ulcère gastrique. Il a fait sa péritonite. Il a créé des troubles métaboliques. Et c'est sa montre qui l'a un petit peu alerté, et le patient et les centres de soins. Un agriculteur de 92 ans qui vaquait à son travail. Il est tombé d'une échelle. Il a fait pratiquement un petit coma. Ça s'est accéléré, c'est la montre qui a un petit peu déclenché l'alerte. Très bien, ça c'est des gadgets de tous les jours, on les voit aujourd'hui. Nous avons pratiquement tout le monde a des montres. Moi, je n'ai pas une iPod d'ailleurs. Donc, ce qu'il y a, le numérique, il est au quotidien, il est dans notre activité de tous les jours. Donc, ces gadgets, ils peuvent surveiller le poids, ils peuvent nous donner le périmètre d'exercice, c'est de podomètre, il peut aussi, sans analyse de sang, donner la glycémie, il peut prendre la tension artérielle, il peut améliorer le suivi des traitements, bien entendu. Pire encore, grâce à des mini-capteurs maintenant qui sont placés dans l'artère pulmonaire pour faire de la prévention d'une insuffisance cardiaque et même dans l'insuffisance respiratoire chronique. Et ça, c'est très révolutionnaire. Donc, on peut faire suivre les patients à distance dès que cette pression artérielle pulmonaire augmente. Ça crée une alerte. Le patient vient chez le médecin ou le médecin envoie des équipes des soins d'urgence chez lui.
Alors, cette révolution numérique a commencé déjà en imagerie, je vais en parler, mais c'est surtout l'imagerie. Mais de plus en plus, elle va de façon graduelle vers les autres spécialités, la cardiologie. La cardiologie, maintenant, on peut se balader, avant, on se baladait avec un stéthoscope, maintenant, on peut se balader avec un échographe tel que ma pointeuse et ma défileuse de diapo. C'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est devenu le stéthoscope du médecin de troisième génération. La même chose, des capteurs même sans fil qui peuvent alerter à distance, surtout en chirurgie cardiaque quand ils sont opérés et dans le cadre d'une vision stratégique du fast track in surgery, c'est-à-dire la réhabilitation rapide des patients. On ne les laisse pas à l'hôpital, ils le font sortir, ils les mettent ces petits gilets ou ces capteurs ici à gauche, ils sont surveillés à distance. Donc il y a une révolution, c'est surtout grâce à l'Internet 5G, le téléphone portable, les réseaux sociaux, cette innovation qui a changé un petit peu toute la médecine, a transformé toute la médecine de la cardiologie. Alors, pas uniquement la cardiologie, mais aussi l'avènement de l'Internet des objets connectés en médecine, IOMT. C'est l'Internet des objets connectés en médecine qui a déjà révolutionné la médecine et surtout la cardiologie. Très bien. Dernièrement, on a reçu sur nos boîtes mail une enquête du CERIST qui nous demande quelle est notre appréciation de l'utilisation de l'Internet et surtout des grandes firmes GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Quelle est notre vision par rapport à cela? Alors aujourd'hui, Google Health a mis un système d'archivage de tous les dossiers médicaux. Donc vous voyez un petit peu les choses qui sont en train d'avancer à pas de géant, et nous, on risque de ne rater ce train parce qu'on n'a pas une vision de la collection ou de collecter les données au niveau de nos hôpitaux ou de nos structures hospitalières. Et c'est ça qui fait émerger et accélérer la recherche et implémenter la médecine du futur. Alors, ces innovations, je vais passer rapidement pour le cœur, je vais aller à l'œil, c'est pour vous faire une vision un petit peu large de ces impacts, de ces technologies. En ophtalmologie, l'ophtalmologiste, c'est l'œil, il est opérateur dépendant. Là, j'arrive pas à lire. Avec mes lunettes de vision lointaine et de près, je pourrais aussi voir dans le détail éventuellement. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut détecter en ophtalmologie des dystrophies membranes, de la membrane basale qui ne sont pas identifiées à l'œil nu ou par l'ophtalmologiste grâce à l'intelligence artificielle. De même pour la kératite herpétique, ou mieux encore, en gastro-entérologie, que ce soit dans les colonoscopies ou les endoscopies, pour les résections de polypes, le diagnostic de certaines tumeurs qui sont infinitésimales ou microscopiques, qui sont détectées, mieux encore, dans le cadre de la robotique ou l'installation des robots de Da Vinci, qui sont plus de 200 placés en Europe, vous voyez bien l'aide qu'appuient ces robots pour la chirurgie, hein, vous voyez bien la dissection, et c'est très précis avec une visibilité 40 fois plus de ce que à l'œil nu. Très bien. Aux États-Unis, à Los Angeles, en Californie, une paraplégie flasque a été monitoré grâce à ce système de stimulation avec des capteurs et ça, ils font de la rééducation pour reprendre la marche, alors qu'il y avait pratiquement une section de moelle entière. Très bien. Ah, les robots. Nous voici. Le robot, c'est important. Il nous règle pas mal de problèmes. Donc, ils sont utilisés pour le transport des patients, hein, parce que parfois les infirmiers ou les brancardiers souffrent du dos. Donc, ils peuvent nous aider pour le transport des malades. Dans la distribution des traitements, il y a très peu d'erreurs. Transport des repas, quand les malades sont en isolement. Les robots pour les analyses médicales. Les robots de compagnie pour la rééducation et pour le nettoyage. Alors, je vais vous faire défiler très rapidement quelques images de ces robots et vous les voyez ici. Ici, ce que vous voyez, c'est une petite capsule qui est ingérée et elle prend la photographie de tout le corps humain de l'intérieur. Donc, c'est une petite balade à l'intérieur et ça peut être aussi dans les vaisseaux. C'est la nanomédecine, la nanorobotique, c'est le futur de la médecine. Ça, c'est la compagnie.
hein, pour les soins, l'assistance aux soins, bien entendu, pour la rééducation, vous voyez ici, à gauche et en bas. Pour la rééducation, la même chose, pour la réhabilitation. Ça, c'est pour les structures, pour le nettoyage et pour la compagnie. La chirurgie guidée. Il y a quelqu'un, je voudrais lui rendre honneur, parce qu'il fait partie de l'USTO, bien entendu, à l'USTO, à tout honneur à l'USTO, c'est M. Bardachet, qui a déjà travaillé sur tout ce qui est robotique. Il a fait un excellent travail avec l'équipe de maxillofaciale au niveau de l'âge. Et c'est une très belle expérience qui a marché dans une approche d'atteinte au niveau du maxillaire. Et c'est important de redupliquer et de favoriser ces types de collaboration, et c'est important, bien entendu. Très bien. Les technologies habilitantes de la robotique en santé. Trois grands axes. Système mécatronique avancé en santé, réalité virtuelle et virtuelle et augmentée en soins, et l'impression 3D. On va le voir, l'impression 3D, tout à l'heure. Alors, un chirurgien est devenu comme un pilote. Nous, les anesthésistes réanimateurs, on avait cette impression d'être des pilotes parce qu'on fait de la checklist avant toute anesthésie. Maintenant aussi, les chirurgiens, ils ont grâce à ces robots, le robot de Da Vinci, 4000 robots de Da Vinci qui sont installés aux États-Unis. Actuellement, le chiffre de 123 en France a été dépassé. Alors, plus de 5 millions d'interventions mini-invasives avec ces robots. Alors, réellement, ce qui se passe dans nos centres d'imagerie. Alors, l'imagerie est assistée par ordinateur. Et elle permet aussi d'améliorer la qualité des soins et surtout le diagnostic. Ici, c'est extrêmement difficile de voir cette lésion, mais parce qu'elle a été extrêmement agrandie, et ici, grâce à l'IA, elle peut être visualisée et on peut aller la ponctionner pour un cancer du sein. Ça, c'est une image de mammographie des seins. Alors, pire encore, au niveau des urgences, souvent, c'est les internes qui sont au niveau des urgences, donc ils ne sont pas experts. Donc, ils peuvent être aidés par ce logiciel de diagnostic qui a été développé par AZMed, qui aide même les radiologues, surtout chez l'enfant. L'enfant, il y a beaucoup de cartilage, les médecins le savent ici, hein, dans cette honorable assistance, il y a des médecins. Donc, il est difficile de faire le diagnostic d'une fracture. Grâce à ce logiciel, on pourra les identifier très, très facilement, surtout dans les régions difficiles, telles que le coude, la main, l'avant-bras, le poignet, et vous le voyez ici. Je les ai encadrés donc pour pouvoir donner une meilleure sensibilité et une sensibilité de ces radiographies. Mieux encore, les gestes médicaux et chirurgicaux qui sont assistés par ordinateur, surtout dans la neurochirurgie ou les zones profondes du cerveau, parce que chaque zone est sensible. Donc on peut éventuellement enlever une tumeur cérébrale ou faire une exérèse d'une tumeur cérébrale, mais on peut entraîner des dégâts. Et c'est grâce à cette intelligence artificielle qui peut nous délimiter un petit peu et nous créer le chemin. Alors, encore une fois, les smartphones. Google, il s'est associé avec Sanofi, une grande firme française, et ils ont développé une application pour les diabétiques et les hypertendus, les patients qui font de l'hypertension artérielle, et qui les met en contact avec leurs praticiens, les médecins traitants, pour interagir, pour essayer de rectifier les traitements. Et ça, ça a été développé par la firme Onduo. Désiré 2. Il y avait Désiré 1, je ne voulais pas en parler, je parlerai de Désiré 2. C'est un projet européen. C'est une aide à la décision médicale en oncologie. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet Désiré 2? Il s'agit d'une plateforme où elle aide un traitement personnalisé pour les cancers du sein, où il y a une grande quantité d'informations avec des approches pluridisciplinaires et transdisciplinaires pour prendre en charge à l'échelle européenne les cancers du sein grâce à l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, la même chose, mais pas avec l'intelligence artificielle, avec une autre forme, avec le chat GPT, qui donne des conseils en matière de dépistage du cancer du sein. Et c'est un article qui vient d'être publié le 4 avril 2023. Ça a été publié sur le journal Radiologie. Alors, le supercalculateur d'IBM Watson,
Wow. Ils prennent une avance, une longueur d'avance extrêmement importante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, plus de 1 million de publications par année dans ma spécialité, peut-être dans d'autres un peu plus. Donc, un médecin ne peut pas se tenir à jour dans la majorité du temps. Il ne pourra pas lire 1 million. Donc, il y a une surabondance de l'information médicale qu'un humain ne peut traiter, constituer, c'est ça la force de ce calculateur. Et en plus, il le fait dans les 7 langues. Nous pouvons lire peut-être en arabe, un peu moins, en français, en anglais, mais pas en chinois. Donc, on n'a aucune expérience de l'expertise chinoise ou des autres expertises, bien entendu. Donc, ce logiciel, il analyse 300 pages de données en une demi-seconde et en 7 langues. Donc, c'est une complémentarité entre l'homme et la machine. Alors, bien entendu, Watson, il utilise le machine learning, l'IA, et toutes les informations de ces big data. Et grâce à cela, il a pu diagnostiquer déjà en 2016 une leucémie chez une patiente de 60 ans qui a été guérie grâce à son approche. Mais pas que ça. Maintenant, IBM lance d'autres défis. Il va sur la cardiologie, l'orthopédie, l'ophtalmologie et d'autres spécialités. Donc les technologies sont déjà là et incontournables, bien entendu. Un autre logiciel, Hawking, américain. C'est un consortium pour améliorer tous les traitements contre le cancer. Il aide qui? Les pathologistes, c'est-à-dire les anapathes. Les anapathes, c'est extrêmement difficile. Vous avez des coupes histologiques, donc il y a des millions et des millions de coupes. Donc, il facilite la lecture des images. Mais encore, pas que les anapathes. Il identifie les biomarqueurs, parce que maintenant on fait de l'histochimie, l'immunohistochimie, donc les biomarqueurs. Il peut même prédire l'évolution et les complications et les risques de rechute. Ces analyses d'images numérisées, ça a coûté plus de 33 millions d'euros pour l'amélioration des cancers. Très bien. Et spécialement en neurosciences. En France, Siemens, avec le laboratoire Intradis, une solution innovante pour tout ce qui est la radiologie interventionnelle. Vous voyez ici une crosse d'aorte avec ses troncs pour la neuroradiologie interventionnelle. Et ce qui se passe ici, c'est que ça peut se faire à Tours, dans un bloc, en communication avec d'autres blocs opératoires, donc à distance, et d'autres blocs de la neuroradiologie interventionnelle. Et ça a été une grande innovation de Siemens avec ce laboratoire. Cet industriel, pardon, qui a travaillé avec l'UMIS. Ah. Revenons sur Terre. On va revenir sur Terre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos facultés? Alors, Google a dévoilé dernièrement un projet. C'est le projet MedPalm. Donc, c'est un algorithme qui fait passer des examens finaux aux Américains. Donc, 85% des questions sont résolues par ce MedPalm. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les étudiants peuvent s'exercer sur cette plateforme. Alors, j'aurais besoin peut-être aujourd'hui de ce petit bidule, parce que les enseignants peuvent en souffrir parfois. Je commence à perdre ma voix, donc ils ont des capteurs, un appareil portable qui détecte la fatigue vocale. Et là, c'est surtout pour les patients qui sont opérés pour la chirurgie thyroïdienne et surtout pour la rééducation phonétique orale, pour les dyslexiques, etc. Mieux encore, l'IA, une équipe de chercheurs finlandais, ont développé rien qu'à la radiographie du genou qui peuvent détecter de l'arthrose. De l'arthrose dans plus de 87% des cas. Une arthrose précoce du genou. Ça va éviter des examens complémentaires tels que l'IRM du genou, des examens complémentaires sanguins, et de reconnaître l'arthrose rien qu'avec une radiographie et une prise en charge optimisée avant que les séquelles ne s'installent, et ça va indiquer une prothèse totale de genou. Alors pour le diabète, c'est les grandes firmes, c'est leur challenge. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont, quel que soit le type de diabète,
Ils ont des capteurs et ils peuvent monitorer éventuellement la glycémie journalière et qui peut alerter pour ajouter. Le challenge aujourd'hui, qui est en cours, c'est que ces capteurs sont aujourd'hui en relation avec les pompes. Donc il y a une autorégulation sans l'intervention de l'homme. Ils ont des traits, la glycémie, qu'est-ce la sucre, ils ont l'insuline. Et ainsi de suite. Donc il y a une autorégulation. Mieux encore, quand les patients sont opérés pour de longues interventions, il y a un impact sur le rein. L'IA prédit les complications rénales, donc pour préserver. C'est le rein qui nous permet toutes les libertés. C'est le rein qui nous permet de boire, de prendre du sucre, de prendre des pâtes, de prendre de la viande. Et le foie, c'est l'usine. Donc il y a deux organes nobles dans le corps qui nous permettent ces libertés. L'IA nous permet cette liberté de préserver quand les malades sont opérés ou là, quand il y a une infection sévère, de préserver le rein grâce à l'IA, de ces technologies. En ophtalmologie, si les diabétiques développent des rétinopathies, il y a des lésions qui peuvent passer inaperçues et grâce à l'IA, le fond d'œil est mieux apprécié et d'apprécier les conséquences de ces complications du diabète. Pareil pour les lésions cutanées, pour le cancer de la peau. C'est extrêmement difficile, surtout pour les apprenants que nous sommes. Donc la mise au point de grands échantillons, plus de 50 000 images, qui sont un apprentissage pour l'intelligence artificielle, pour les équipements. Donc l'algorithme arrive à reconnaître avec une grande performance, avec une grande sensibilité, une sensibilité des cancers de la peau. La même chose pour la cardio, pour la transplantation rénale, transplantation cardiaque, et même dans les domaines des neurosciences. L'IA permet de déceler la maladie d'Alzheimer 10 ans avant le premier signe. 10 ans. Et ça, c'est important. Dans le domaine du médicament. Alors, transformer les données en connaissances. Elle peut prédire les molécules à concevoir et comment les concevoir. Dans le domaine du médicament, pour mettre sur le marché un médicament, il faut au moins 10, 15 ans, voire 20 ans de travail de recherche. Et là, grâce à l'IA, il peut être raccourci à moins que cela. Donc, ça accélère les essais cliniques, et construit un bon réseau de données et il peut aider à la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Je vous cite un exemple. Les antibiotiques. Aujourd'hui, nous sommes en panne d'antibiotiques. On n'a plus mis sur le marché un nouvel antibiotique. D'ailleurs, je voudrais solliciter M. Aourag pour faire une présentation sur la gestion des antibiotiques, la pertinence des antibiotiques et surtout l'émergence de la résistance aux antibiotiques. Et la résistance des antibiotiques, j'ouvre juste une petite parenthèse, ce n'est pas un concept uniquement de la médecine. C'est le concept One Health. Qu'est-ce que ça veut dire One Health? C'est le monde des sciences médicales, le monde de l'agriculture et le monde des végétaux. Donc c'est One Health, la santé de tous, donc pas uniquement de l'homme. Donc c'est la santé du vivant. Les données qui sont fournies par cette santé numérique doivent être, en Algérie, sont très peu exploitées et doivent être exploitées. C'est important. Et toute hésitation à nos décideurs nous fera rater un petit peu le train de cette santé numérique. Voilà l'impression 3D, le séquençage ADN, c'est le futur de la médecine, bien entendu. Alors, le plus grand danger, bien entendu, c'est que quand on a de la donnée, il va falloir la protéger. Si on ne la protège pas et elle est mal contrôlée, la vie de nos patients peut en dépendre. Donc, il faut prendre cette précaution et ça, c'est important. Nous sommes contraints, tôt ou tard, d'aller vers le Smart Hospital. Smart Hospital est une évidence. D'ailleurs, c'est simple, ce qui se passe en Europe et dans le Moyen-Orient ou les États-Unis, ils sont sur cette nouvelle conception de Smart Hospital. Un anesthésiste réanimateur, il y a très peu d'anesthésistes réanimateurs, il y a des hôpitaux où, quand l'anesthésiste arrive, il arrive avec sa tablette au niveau de l'hôpital. Donc, il a plusieurs patients dans l'hôpital. Et selon sa tablette, il va se dire, tiens, j'ai 15 patients qui dépendent de lui. Donc, il est hiérarchisé par rapport au monitorage de ses patients. Il priorise, il doit aller en bloc C, bloc A, pavillon 10, pavillon 12, etc. Donc, par rapport à ces données,
Le matin, quand il arrive, il a déjà sa feuille de route, pratiquement, grâce à la donnée de. C'est comme la ville intelligente et l'hôpital intelligent. C'est la même chose. Donc, on est en train de dupliquer ce qui se passe ailleurs. Alors, l'avenir des soins de la santé, c'est que nous sommes en 2023. Nous devons avoir un œil, hein, un œil sur cette technologie, un œil bien vigilant, bien ouvert. Pas comme ça, un œil endormi, anesthésié. Il faut être vigilant de savoir comment sélectionner ces nouvelles technologies. Il va falloir qu'on associe un petit peu les autres domaines, bien entendu, dans la recherche. Il ne faut pas qu'on reste encore cloisonné sur nous, hein, se lamenter tout seul. Il faut impliquer tout le monde. Nous avons ces ingrédients pour faire réussir un petit peu cette nouvelle vision et faire le saut. Alors, en guise de conclusion, je voudrais vous dire que la santé numérique doit être centrée sur quatre piliers. Alors, les patients avant tout, les personnels, ou là, les professions de la santé, les systèmes de santé, ou là, les gestionnaires de ressources et les services de données. Très bien. Il y a un moulin sur lequel on travaille. Alors, ce moulin du futur de la médecine, ou le moulin de la médecine du futur, c'est surtout la recherche. Mais avant la recherche, c'est la formation pour une qualité de soins avec un transfert de connaissances. Et pour cela, il faut se fixer d'ores et déjà les objectifs par rapport à nos priorités, par rapport à nos problématiques en matière de santé, par rapport à nos missions, par rapport à nos valeurs et comment on doit organiser notre système de santé en Algérie. Très bien. Et on l'a bien remarqué avec le Covid. La téléconsultation a explosé. Donc, c'est un riche enseignement, la Covid-19. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais vous laisser apprécier ce petit documentaire sur rêver le futur. Ça me donnera peut-être un moment pour prendre un peu d'eau et de me ressourcer pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci, monsieur Directeur. L'imagerie médicale qui fait des progrès absolument fulgurants, si bien que d'ici 2050, nous allons tous pouvoir disposer de notre double numérique. Alors, ça veut dire quoi avoir un double numérique? Ben, c'est très simple, regardez ces images. Il suffira en fait de nous faire scanner de la tête aux pieds en trois dimensions, bien évidemment, par notre chirurgien, par notre médecin, qui pourra se balader virtuellement dans notre corps comme on se balade dans un jeu vidéo. Sauf que là, évidemment, ce qu'on verra, ce sera l'intérieur de notre corps en temps réel. Donc, le médecin, le chirurgien pourra visiter les moindres recoins de notre anatomie sans rien endommager. Donc c'est absolument révolutionnaire. On sait que voilà, il y a des examens qui sont parfois douloureux, qui prennent du temps, parfois sous anesthésie générale. Bah, tout ça, ce sera vraiment relégué au passé. Ça paraît complètement dingue. Ouais. La technologie qui va donc optimiser cette phase du diagnostic Ouais. médical, mais aussi l'étape de l'analyse. Oui, absolument. Et, en 2050, fini les analyses médicales lentes et coûteuses, et fini également l'angoisse liée à l'attente des résultats, puisque nous aurons tous à notre portée un laboratoire sur puce. Alors, un laboratoire sur puce, c'est quoi? C'est très simple, c'est un accessoire pas plus grand qu'une carte de visite, où en gros, avec une seule goutte de votre sang, il sera possible de diagnostiquer plus de 100 maladies, et tout ça en moins de 10 minutes. Alors, ça ressemble à de la science-fiction, et pourtant, ce futur est déjà en marche grâce à Luc Gervais, un ingénieur suisse que nous avons rencontré et qui nous présente son innovation. Le laboratoire sur puce est composé de deux composantes principales, la puce microfluidique qui est jetable et le lecteur qui est réutilisable. Il est très facile d'utilisation. Je commence en me piquant le doigt. Je prends une goutte de sang que j'insère ensuite sur la puce microfluidique. Dans une goutte de sang, il y a des millions de différentes cellules, des plaquettes, des globules rouges et des globules blancs, et aussi des trilliards de protéines, des acides nucléiques et des petites molécules. La puce microfluidique va filtrer le sang et acheminer le plasma à travers la puce. On peut détecter des centaines de maladies à l'aide de cet appareil, par exemple les cancers, les maladies infectieuses comme la grippe, le VIH, l'hépatite, les allergies, différentes fonctions d'organes comme la fonction du foie, la fonction de la thyroïde. On arrive à faire un diagnostic médical qui coûte beaucoup moins cher que celui qui est fait aujourd'hui à l'aide des analyseurs centralisés.
Alors ça permettra aussi de faire un diagnostic qui sera fait dans les pays en voie de développement pour les gens qui sont les plus démunis. Donc on va consulter notre bulletin de santé comme on consulte un bulletin météo en fait. Oui, c'est un petit peu ça, absolument. Mais l'autre bond en avant à venir d'ici 2050, c'est vraiment la médecine régénérative qui pourrait nous permettre de réparer nos organes. Grâce à l'impression 3D et grâce à une encre révolutionnaire issue du vivant, un groupe de chercheurs suédois dirigé par l'ingénieur Erik Gatenholm, c'est pas facile à dire, est aujourd'hui capable de fabriquer certaines parties de notre corps. On l'a rencontré, regardez. And this is really to produce human Notre but est de fabriquer des membres et des organes humains. And then for that fact to be true, you pour ça, évidemment, il faut leur donner la forme qu'ils sont censés avoir. Ear, for instance, must look like an ear. Par exemple, une oreille bio-imprimée doit ressembler à une oreille. Let's say that we, would like Disons que l'on veut imprimer l'oreille d'un patient. We take a picture. On prend une photo de l'oreille existante, make a replica. On en fait une copie, un modèle informatique. And then send that file. On exporte le fichier vers un logiciel qui l'envoie à l'imprimante. L'oreille du patient peut alors être imprimée dans les moindres détails. Voilà comment ça marche. Et bientôt, on pourra le faire avec tous les organes et tous les membres du corps humain. Étonnant, hein? C'est complètement fou. C'est fou, et selon Erik, le chercheur suédois que l'on vient de voir, il est réaliste d'imaginer pouvoir, dans l'avenir, reconstruire n'importe quel tissu et n'importe quel organe humain. Pour terminer, je vous propose un zoom sur la technologie prothétique qui atteint aujourd'hui un niveau d'excellence et qui permet aux personnes amputées suite à un accident de la route, par exemple, ou à des personnes atteintes de malformations de retrouver une vie normale. Et bien là, grâce à la technologie, la prothèse du futur va encore plus loin. En Islande, nous nous sommes rendus dans un laboratoire, le laboratoire de la société Esur, qui a développé une prothèse intelligente qui se pilote par la pensée. Et un homme, Gumi Olafsson, handicapé suite à un accident, a eu la chance de la tester et il nous parle de son expérience. J'ai eu un accident quand j'avais 9 ans. J'ai été renversé par un camion citerne. J'ai gardé mon pied pendant 20 ans et puis en janvier 2004, je me suis fait amputer. Maintenant, j'ai un capteur dans la jambe. Je peux bouger le pied avec mes muscles. Mon cerveau leur ordonne de bouger le pied, et voilà. Bien sûr, c'est encore un prototype, mais je peux vous dire que c'est déjà génial. Je cours, je marche, je nage, je fais de la plongée sous-marine, je fais des randonnées en montagne, je promène mon chien, je marche une quinzaine de kilomètres par jour. Avant qu'on m'ampute, je m'arrêtais au bout de 200 mètres. Ma vie est bien meilleure maintenant. Donc on vient de le voir avec tous ces projets, toutes ces innovations. D'ici 2050, la complémentarité science et technologie offrira une médecine plus ciblée, plus efficace. Et en résumé, nous allons pouvoir vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions. Si on est encore en vie en 2050. Ouais, question. Je donnerai quelques tuyaux. Merci beaucoup Alex. Et pour tout savoir sur la médecine du futur, rendez-vous ce soir sur Planète Plus. C'est à 20h45 pour découvrir donc ce documentaire passionnant, étonnant, qui révèle les révolutions scientifiques et technologiques à venir d'ici 2050 dans le domaine de la santé. La semaine prochaine, on parlera d'habitat du futur. Et là aussi, vous allez voir. Absolument. Donc, merci professeur. Merci professeur Haufen de votre conférence très très riche qui nous a fait rêver, bien sûr, et bien sûr, sur la santé du futur. Hein. Maintenant, s'il y a des questions à l'assistance, je peux. Donnez la parole. Voilà. Oui. Alors, pour commencer, merci au docteur Fink pour la conférence. Donc, juste, c'est pas des questions là. Donc, juste par rapport au chat GPT. Comme je le dis, pour moi, c'est ça qui va créer la fin du monde, et non pas le réchauffement climatique. Parce que, comme on le voit, la médecine du futur, c'est pas un futur, genre c'est pas un truc révolutionnaire. Au contraire, ça a qui m'a appelé, genre on croit que ça va révolutionner notre quotidien,
Mais non, Steve Jobs a exploité des enfants pour créer tout ça. Pour créer tout, comme je le dis, ça va juste aider les plus riches à être plus riches et les plus pauvres à devenir encore plus pauvres. Et quand je dis de riches, je ne parle pas, par exemple, ceux qui ont de l'argent, mais tels que Bill Gates ou bien les autres riches comme on connaît dans le domaine de la technologie. Donc, par exemple, je vais juste parler par rapport à ChatGPT. Il y a un point. Donc, pour concevoir et entraîner ChatGPT-3, Open a dépensé environ 700 millions de litres d'eau pour refroidir son data, soit autant pour refroidir un réacteur nucléaire selon un nouveau rapport. Donc, ça consomme de l'eau, ça consomme de l'argent, et pour moi, ça ne va pas révolutionner. Au contraire, c'est ça qui va créer la fin du monde. Parce qu'on pense que c'est le réchauffement climatique qui va créer la fin du monde. Mais comme je le dis, c'est la technologie et l'intelligence artificielle. Je suis OK pour, par exemple, créer des applications téléphoniques pour nous permettre de faciliter un diagnostic, par exemple, tel que vous l'avez cité, Atam Rasset, et faciliter un diagnostic médical pour des gens malades à travers une application téléphonique, par exemple. Mais je ne vais pas dire que l'intelligence artificielle ou ChatGPT va révolutionner le monde et faciliter l'humain à mieux vivre. Mais au contraire, pour moi, c'est plus que dangereux. Genre, on est juste en train d'alimenter notre bêtise, la bêtise humaine, à travers ça, parce que ça consomme énormément d'argent, ça consomme énormément d'énergie, que ce soit l'électricité, que ce soit de l'eau. Et on oublie, par exemple, dernièrement, j'ai vu que la Chine ou bien les États-Unis investissent des millions de dollars, par exemple 200 millions, 300 millions, jusqu'à dire des milliards de dollars pour révolutionner la technologie, ChatGPT, etc. Alors que, par exemple, si on va dire c'est pour aider l'humain, on peut implanter cet argent dans des pays pauvres. Et c'est à ce moment-là où on va dire oui, on va aider l'humain à vivre mieux, par exemple, tel que ouvrir des centres hospitaliers dans des pays africains, ou bien fournir plus d'eau, ou bien fournir de la nourriture. Donc ça, pour moi, oui, c'est ça qui va révolutionner la Terre ou bien l'humain, etc. Mais pas ChatGPT, par exemple, dans la médecine. Au contraire, ça va juste aider les plus riches à devenir plus riches et les plus pauvres à devenir plus pauvres. Et c'est ça qui va créer la fin du monde pour moi. C'est le réchauffement climatique à travers ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Vous avez une réponse Professeur Abraham. Allez-y, monsieur Abraham. Non, c'est juste une appréhension. Je suis un peu d'accord avec lui. Est-ce que, comme vous l'avez dit, l'intelligence artificielle ou les technologies avancées qu'on utilise dans la médecine, est-ce qu'elles sont un facteur de développement de la médecine ou juste l'amélioration de la santé du citoyen? Est-ce que la médecine fondamentale, parce que ce qui passe, c'est que ces technologies rendent de moins en moins, de plus en plus fainéant, le médecin. Le médecin ne va pas avoir cette qualité qu'il avait auparavant de chercher une solution par rapport à son intelligence, mais d'utiliser une intelligence autre que lui pour résoudre ses problèmes. Donc, ce qui fait que, pour moi, le savoir et la connaissance ne vont pas se développer, c'est la technologie qui se développe, mais le nouveau savoir et le nouveau de connaissance, il n'y a plus de nouveau savoir et de la connaissance. On utilise du savoir et de la connaissance déjà acquise il y a beaucoup d'années, qu'on a transformé en technologie, parce que c'est la technologie qui avance. Dans la technologie, c'est toujours la même science fondamentale
qu'on utilise les mêmes principes. Pourquoi ceci? Parce qu'on vous l'avait dit, le pouvoir de la donnée, tout est basé sur la donnée. Mais tout ce que nous allons avoir sur la donnée, l'intelligence artificielle, va faire des corrélations entre ces données. Pour faire, nous savons tous qu'en mathématiques, plus il y a de la corrélation, plus on peut faire de la prédiction. Mais il n'y a point de causalité. C'est-à-dire que la médecine avance, mais on ne trouvera pas les causes. C'est-à-dire qu'il y a une maladie, je sais la traiter, mais je ne peux pas aller à en découvrir la cause qui a été. Hein? Si vous me dites par exemple, oui, on va traiter les cancers. Mais est-ce que la finalité, c'est de traiter les cancers ou de trouver une cause qui est due à cela et aller à la cause pour pouvoir éradiquer le cancer? C'est comme les vaccins, d'accord? Auparavant, l'homme réfléchissait. Moi, je me pose la question. Est-ce que l'intelligence artificielle sera capable de découvrir un vaccin efficace contre le Covid, par exemple, où nous avons eu le problème du Covid? Je n'ai pas vu une étude qui est passé sous mes yeux, où il y a des chercheurs qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour trouver un vaccin du Covid. Pourquoi? Je me pose la question, pourquoi? Pourquoi pas, on n'a pas utilisé tous ces moyens, d'accord, pour pouvoir faire des prédictions, et on a revenu aux techniques ancestrales, c'est-à-dire faire en sorte, bon, on a utilisé un peu de la biotechnologie, d'accord, mais toujours est-il qu'on pouvait, sur les données, je pense, extraordinaires, parce que cette pandémie a été une pandémie invasive, hein, d'une façon extraordinaire. Donc, ne me dites pas qu'il y a des millions de données qui sont disponibles pour pouvoir dire que voilà, je peux trouver en contrepartie une solution pour ceci. Moi, je suis un peu, c'est-à-dire qu'elle va améliorer l'acte de la médecine, mais je ne pense pas qu'elle va améliorer la médecine. Qu'en pensez-vous? Très bien, merci beaucoup, Monsieur Aourek. Alors, vous avez raison et vous n'avez pas raison. Ben oui, c'est ça le. Je suis pas médecin. Non, donc, mais c'est clair. Je ne vois pas un peu. Oui. Non, l'approche est la suivante. Comme vous le savez, la médecine n'est pas une science exacte. La médecine n'est pas une science exacte. Donc il y a un risque d'erreur qui est évalué à 5% à peu près. Donc on prend la courbe de Gauss, que vous connaissez mieux que moi certainement, avec des intervalles de confiance. Et ces intervalles de confiance sont de 95%. Donc au départ, l'ancienne médecine ou la médecine traditionnelle était basée sur l'expérience. L'expérience, et après on évalue cette expérience, on teste, quand on a un résultat positif, on affirme les choses. Puis il y a une révolution, la deuxième révolution de la médecine, c'est l'évidence basée de médecine. C'est la médecine basée sur l'épreuve. Très bien. Alors, je vais vous dire, l'approche en médecine, elle est conceptuelle selon deux visions. Alors, la médecine pour améliorer le soin en santé ou le bien-être du citoyen. Voilà, donc on va aller dans le même sens. Donc, je prendrai la définition de l'OMS, c'est le bien-être du citoyen. Pour aller vers le bien-être du citoyen, nous avons deux solutions. Ou nous sommes décideurs de l'évolution de la médecine et des traitements qu'on prescrit. Donc soit le traitement traite la cause, donc un traitement étiologique, ou bien un traitement symptomatique, on traite les symptômes. Vous prenez l'exemple des vaccins. Les vaccins, on se vaccine tous les ans avec le vaccin antigrippal. Ça ne nous empêche pas d'avoir la grippe. Donc vous voyez que
Moi, je suis pas d'avis comme vous de dire que dans la COVID, on n'a pas utilisé des technologies. Au contraire, on a utilisé la biotechnologie et cette biotechnologie, elle s'est inspirée de toutes les formes. Je n'ai pas le détail, mais certainement de l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a eu l'évolution, le virus est passé de plusieurs mutations. Donc, ils ont utilisé ça. Et c'est grâce à ces utilisations de cette technologie que les Allemands ont pu développer le vaccin ainsi que les Russes et les Chinois. Alors, dans notre approche thérapeutique ou de traitement, c'est que nous influençons notre avenir de la médecine. Je vous donne un exemple. Quand on a découvert la pénicilline, on avait réglé le problème des micro-organismes et des microbes. Mais l'usage de ces antibiotiques, de la pénicilline, a fait bouger les choses, a fait bouger les limites. Et on a de plus en plus de bactéries multirésistantes. L'usage intempestif. Aujourd'hui, tellement la technologie a avancé que le médecin ne peut pas cerner les choses sans l'aide de ces technologies. Avant, je vous dis, j'étais jeune, hein, nous avons la ville où je suis né, un médecin référent, Rabbi Yerhamou Dr Ben Souna, qui était connu par tout le monde, il avait juste un stéthoscope et un tensiomètre. Et pour nous, il guérissait tout. Aujourd'hui, personne ne peut détenir toutes les informations avec l'avantage, avec le progrès des sciences fondamentales, l'immunologie, la microbactériologie, la microbiologie, la parasitologie, les sciences fondamentales, l'imagerie, tous ces développements. Donc, ils nous mettent dans une situation où nous ne pouvons pas assimiler tout ça et prendre les meilleures décisions. Donc, nous avons besoin pour faire en matière de stratégie thérapeutique ou de traitement, nous avons besoin de la concertation pluridisciplinaire et nous avons besoin de ces technologies. Pourquoi? Parce qu'en première intention, on traite selon une vision probabiliste. Je dis bien une vision probabiliste, le plus probable. Donc, on procède par élimination. Et puis, quand on essaye un traitement de première intention, il est évalué 24 heures, voire le plus souvent 72 heures. Soit on fait une escalade et on change, soit on fait une désescalade. Et cette escalade qui est décidée à la 72e heure est souvent décidée grâce à l'apport de ces technologies. Je vous dis aujourd'hui, nous sommes dans la majorité des cas dans le traitement pas préventif. On est dans le thérapeutique, mais surtout le symptomatique. Mais on n'est pas dans le cadre étiologique. Très peu. Très peu étiologique. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on peut traiter étiologiquement l'hypertension? Non. Est-ce qu'on peut traiter le diabète? Non. Est-ce qu'on peut traiter l'insuffisance cardio-coronarienne? Non. Les cancers, on ne peut pas le traiter, parce qu'il va falloir faire le génome des cancers. Et quand on trouvera les génomes responsables de ces cancers, qu'on pourra faire peut-être la manipulation génétique, bien entendu, on peut faire un traitement adapté, ciblé, causal, bien entendu, si par exemple nous avons une bactérie X qui est identifiée et traitée, ou un virus éventuellement, ou un champignon, ou un parasite. Mais dans les autres cas, ce n'est pas possible. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est vrai, notre ami, il a raison de dire des choses. Vous savez, chaque technologie à ses points forts et ses points faibles, à ses avantages et ses inconvénients. À nous aujourd'hui, nous les praticiens, nous les experts, nous les décideurs, d'appuyer un petit peu cette vision pour les pouvoirs publics, pour sélectionner éventuellement ces technologies pour pouvoir les utiliser. Je vous donne un exemple très simple. La téléconsultation a réglé pas mal de problèmes. Est-ce qu'elle a un impact sur la société ou sur l'environnement? Je ne pense pas. Faire évacuer un enfant pour une petite lésion dermatologique, pour, excusez-moi le terme, un érythème fessier au niveau de Tamaracet, de la transbaïté de Tamaracet, à tel Alger pour un service de dermatologie référent, non.
Ça évite des déplacements inutiles et on peut traiter juste, on peut traiter des images de Tamaras, de Tindouf, de Warigla. Et ça, c'est important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ne croyez surtout pas que le désert médical est exclusivement notre spécificité aujourd'hui. C'est partout dans le monde. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de l'Australie. L'Australie sont en manque de médecins. Ils sous-traitent avec les États-Unis de la télésanté ou la télémédecine. Donc vous voyez qu'il y a un besoin. Charron l'aboudemine. Mais on ne peut pas l'éviter. Mais bien entendu, il va falloir être sélectionné ces technologies par rapport à nos besoins et par rapport à nos priorités en matière de soins. Oui. Laquelle ? Est-ce que ces nouvelles technologies ne sont-ils pas un danger pour le métier de médecin ? Parce qu'à ce moment-là, oui, le médecin va devenir un manipulateur, hein, d'instruments pilotés par des ordinateurs, par exemple interventionnels, hein, pour faire une opération, c'est un robot qui fait l'opération. Hein. Pour le diagnostic, c'est une machine qui fait le diagnostic. Vous avez vu. Le métier de radiologue ne va plus être, ne va plus exister, le métier de radiologue, puisque vous avez une machine qui va diagnostiquer, qui va dire, et qui va être plus précise, hein, que le radiologue lui-même, qui peut faire des erreurs où il n'a pas vu une petite tumeur, parce que c'est impossible par rapport à ses capacités, de ses instruments de l'avoir. Et c'est pour ça que je pose un problème d'éthique. Le problème d'éthique, c'est que, est-ce que le métier de médecin, on va avoir de moins en moins besoin de médecins. C'est-à-dire que ce sont des machines qui vont, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter un gadget, hein, je vais me faire piquer avec une goutte de sang, je la mets sur un instrument, il va me faire mon analyse, j'ai mon ordinateur, mon smartphone qui va analyser mon analyse, qui va me dire que vous avez telle maladie ou telle maladie ou telle maladie, donc celui qui va faire les analyses, j'en ai plus besoin. Le radiologue, donc je n'ai plus besoin, on va, à un moment donné, on va rester hostile dans mon smartphone. Maintenant, on va avoir des capteurs qui peuvent nous prendre une radiographie, hein, d'accord, de notre corps. Je peux radiographier, je peux voir des lésions, si j'ai des lésions. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que cette technologie va faire en sorte, comme vous l'avez dit, préparer le médecin du futur? Ça veut dire que le médecin du futur doit être d'abord un ingénieur avant d'être un médecin. Il faut qu'il soit, c'est normal, il faut qu'il soit, qu'il connaisse de la médecine, d'accord? Et il faut qu'il soit un ingénieur, parce que traiter de l'information, traiter des big data, hein, traiter, faire des de manipulations, donc où, moi je me rappelle que, par exemple, à un moment donné, j'avais des collègues qui faisaient l'appendicite avec une sans faire d'intervention. Hein? Céloscopie. Voilà, céloscopique. Ça a été aussi une révolution. Hein? Et donc les gens apprenaient, donc les médecins apprenaient cette technique qui est une technologie et ce n'est pas tout le monde qui pouvait la faire. C'était une révolution à l'époque. D'accord? Donc, et maintenant, c'est devenu banal. Hein? C'est devenu banal. Et donc, ces technologies vont aussi devenir banales à un moment donné, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai dit, n'avez-vous, vous, en tant que médecin, oui, n'avez-vous pas peur que votre métier risque de disparaître ou, oui, risque de changer complètement? Parce que vous l'avez dit, je vous ai dit, j'aime pas le mot de médecin, je m'appelle praticien. Et là, ça change tout si vous dites praticien au lieu de médecin. Oui, oui. Hein? Très voilà. Bien. Très bien. Je vais lui répondre, si vous permettez. Vous voulez intervenir, après je réponds. Allez-y. Bonjour. Donc je me présente. Moi, je suis responsable. J'étais directeur régional de Générique Électrique. Donc je suis spécialisé en imagerie. Et donc je suis d'accord avec le monsieur parce que surtout en scanner, quand on fait des images du thorax, des fois on n'est pas sûr si c'est des calcifications ou si c'est des métastases. Donc on clique sur un bouton, il nous confirme ce que c'est des métastases et non pas des calcifications. Et surtout dans la mammographie aussi.
Des fois, on est à côté de la plaque, on peut pas dépister un cancer à l'œil nu. Donc, l'ordinateur nous dit que c'est un début de cancer, même au PET scan. Donc, maintenant, le radiologue, il est trop dépendant de la machine. Très donc, bien. Et ça, c'est... Donc, il va plus faire des recherches ou bien faire la lecture, il sera toujours dépendant de la machine, donc il n'a pas à se casser la tête, juste à cliquer un bouton et on lui donne des résultats. Il signe juste le compte rendu, mais le cachet, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous répondre tous les deux. Je m'attendais à cette question et je vais vous répondre très sereinement. Hein, très sereinement. Sur le plan nosologique, j'adore le terme praticien. Sur le plan nosologique. Très bien. Je vais vous rappeler un souvenir, M. Aouak, si vous permettez, si vous me donnez cette liberté, bien entendu. Hein, si vous me donnez cette liberté, on a été appelé, vous, moi, et le directeur du CRBT, au ministère de la Santé, à l'époque de la COVID-19. Pourquoi on nous a appelés ? On nous a appelés parce qu'il y avait un problème de validation. C'est la validation qui pose problème. C'est la validation. Je vais changer de fusil d'épaule et je vais parler en mathématiques maintenant. Alors, un examen. N'importe quel examen, biologique, scanographique, radiologique, bactériologique, tout ce que vous voulez. Un examen complémentaire, un examen d'investigation, un examen paraclinique. Vous connaissez certainement des gens qui font de la statistique, les diagrammes en radar. Qu'est-ce que ça veut dire les diagrammes en radar ? En matière de recherche, c'est spécificité, sensibilité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative. La machine est là en complémentarité du médecin ou l'aide du praticien. Elle est complémentaire. La validation de la calcification ou de la supposition d'un cancer, c'est le médecin qui l'affirme. Une image, c'est vrai, le progrès, je reconnais que General Electric a fait beaucoup de progrès en matière d'imagerie, surtout en matière d'IRM et de scanner, mais toutes ces données ont été validées par qui ? L'apprentissage de la machine a été fait par qui ? Par l'homme que nous sommes, par l'œil expert du médecin que nous sommes. Donc, encore une fois, même si un examen il est fiable à 87%, 97% il est sensible. Il est sensible, mais la sensitivité est basse. Et sa valeur prédictive elle est basse, positive, et sa valeur négative est haute. La machine elle vous dira que c'est un cancer, et le médecin va dire le contraire. Donc c'est l'appréciation de la complémentarité, de la synergie homme-machine qui fait le diagnostic. Je vous cite un exemple tout simple. Un exemple qui n'a rien à voir avec la médecine. Un aviateur russe, un militaire aviateur, pilote russe, fin de carrière, 10 000 heures de vol, il est en retraite de l'armée de Fédération de Russie, il va vers une compagnie aérienne civile. Alors, l'appareil lui dit le TICAS. TICAS, c'est quand il y a deux avions qui risquent de se percuter. Hein? Alors, l'opérateur au sol, il lui demande de descendre et le TICAS, il lui dit de monter. Comme c'est un militaire, il obéit à l'ordre. Il ne suit pas la machine. Il se télescope. Donc, vous voyez que la machine aide à la bonne décision. Et je l'ai dit, aide à la bonne décision. Je vous ai donné tout à l'heure un chiffre important. Les publications, c'est tous les 145 jours, changent. Aujourd'hui, à un certain moment, pour les insuffisants coronariens, on les mettait sous aspirine. La dernière révolution américaine, c'est qu'on doit les mettre sous colchicine. On va nous traiter de crédules, les générations futures qui vont arriver sur le bras, les médecins dans quelques années. Donc vous voyez que la médecine évolue. Évolue pourquoi ?
Elle évolue parce qu'elle a besoin de ces technologies qui l'aident à l'amélioration. Et c'est ça ce qui est important aujourd'hui, vous avez raison. Quand on a fait, quand je dis, oh non, pardon, excusez-moi, quand nous, le groupe de réflexion a réfléchi sur la médecine du futur pour l'implémenter, c'est vrai, c'est qu'on devrait, je vous rejoins, M. Aourag, sur ce point, on doit changer, réformer les études de médecine. On doit les changer en incluant toutes ces technologies dans le cursus. Parce qu'il faut créer des plateformes collaboratives où il y a l'intelligence artificielle, où il y a de la robotique, où il y a de la nanotechnologie, où il y a des mathématiques, où il y a de la physique. Moi, je me rappelle très, très bien, première année de médecine, on avait une enseignante belge, on nous a enseigné la biophysique en première année, elle nous a posé la question qui était la suivante, et tout le monde a séché. La vision du poisson dans l'eau et en dehors de l'eau. Vous vous rappelez, je vous ai raconté cette histoire. Donc aujourd'hui, le médecin, est-ce qu'il est décideur ou il doit s'appuyer dans sa vision en matière de prise en charge du patient? Parce que là maintenant, la prise en charge des patients, elle est multidimensionnelle, elle est pluridisciplinaire. Elle a multi-parcours. Et ces technologies ont fait qu'on sorte aujourd'hui, nous avons besoin de la machine pour nous accompagner, pour nous soulager, pour nous décharger par rapport à ces objectifs qu'on doit se fixer par rapport à nos priorités. Mais je ne dirai jamais que la machine ne pourra changer un petit peu, remplacer le médecin. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Nous avons des robots. Est-ce que ma vascularisation est pareille que celle de Monsieur le Recteur au niveau cérébral? Non. Donc chaque individu a ses spécificités en matière d'approche. C'est pour ça que le chirurgien, il s'appuie du robot, mais c'est lui qui décide de l'intervention. Il l'aide dans la pratique de cette, grâce à, bien entendu à la cartographie qui est faite auparavant. Mais on ne peut pas laisser un robot piloter une intervention chirurgicale, c'est pas possible. Je vous donne un exemple dans mon métier. Dans mon métier, quand j'ai commencé mon anesthésie et réanimation, mon patron et ma patronne, on avait des trois stylos, un calepin et un tournevis. Parce qu'on avait des respirateurs qui avaient besoin d'huile et quand ils tombent en panne, on l'ouvre, on le dépanne. Aujourd'hui, dans nos respirateurs, je vous assure, dans nos respirateurs pour la ventilation artificielle, il y a de l'intelligence artificielle. On peut sevrer le patient avec des modes qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Le respirateur sait quand est-ce que le patient est en train de se réveiller pour le débrancher du respirateur. Il y a des signes d'alarme et il nous propose des modes ventilatoires. C'est comme un avion. Vous introduisez des paramètres et la machine vous donne des options. Elle nous donne des options. Et à nous de décider quelle option, bien entendu, par rapport au patient, par rapport à ses facteurs de risque, par rapport à la pathologie ou à la maladie. Mais elle nous aide, la machine. Elle nous aide. Quand on est occupé ailleurs, la machine, si le patient ne respire pas, c'est la machine qui reprend le relais, elle le fait ventiler en assisté contrôlé. Donc vous voyez que les technologies nous appuient, nous accompagnent dans notre métier qui est parfois extrêmement pénible et difficile. Quand on opère un cancer de l'estomac, c'est pas tous les cancers sont pareils. Un cancer du pancréas, c'est pas pareil. Un cancer du poumon. Donc il y a la variabilité et les formes cliniques qui sont différentes. Et la machine, elle est là pour nous appuyer dans toutes ces démarches. Oui, professeur, je vous donne la parole. Tafadhal, Cheikh Khodja. Cheikh Khodja est chirurgien thoracique, ancien chef de service de l'hôpital militaire. Oui, je pense que c'est une belle présentation, professeur Aoufen. Je n'ai rien à dire sur le plan de présentation, mais la crainte, maintenant je rejoins l'avis du professeur Aourag, est-ce que cette technologie, elle ne va pas empêcher le développement de la science fondamentale du médecin? Ça, c'est la première crainte, parce que moi, je fais partie d'une génération où on assure des gardes sans échographie. Ce n'est pas des miracles qu'on a fait, mais on avait des sciences qui ont été dictées par nos patrons, bien sûr, ou par nos maîtres,
Voilà, par exemple, devant un traumatisme abdominal, faut-il faire une PLP, une ponction, quand elle est positive, voilà. Quand elle, la décision, ça veut dire, le médecin, il est proche du malade. J'espère que cette technologie, elle n'a pas derrière elle un conflit matériel, un conflit, je ne sais pas, parce que je pense, comme il a dit le monsieur, les pauvres vont, parce que un de ces jours, cette technologie, elle va remplacer le médecin. Je ne sais pas, mais c'est vrai, elle aide le médecin, c'est vrai, la décision revient au médecin, mais la science fondamentale, je pense que si on va baser sur cette technologie, on va oublier toute la science fondamentale du médecin. Je ne sais pas, ça c'est mon point de vue, je ne sais pas quel est votre. Nous avons un fondamentaliste parmi nous, oui. Mais je peux vous dire, mais je pourrais vous dire, au contraire, moi je suis un fervent, convaincu de dire que ces technologies ont aidé les sciences fondamentales. C'est l'émergence. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. La génomique dans l'Afrique, c'est 4%. 4%. On ne pourra pas traiter les cancers à l'avenir si on ne développe pas la médecine génomique. Donc vous voyez que la prise en charge aujourd'hui des cancers en Afrique, c'est pour ça que c'est vrai, le triptyque, c'est le triptyque de la prise en charge en matière de cancérologie est important. Je prends l'exemple parce que c'est un problème important en Algérie, le cancer. Et les maladies non transmissibles. Ne parlons pas des maladies rares. Je fais abstraction des maladies rares. Le cancer, si on ne fait pas de la médecine génomique, on est en train de tourner en rond. Nous avons accusé un retard énorme dans la médecine génomique et dans la métagénomique, ou là dans les omiques, ou là dans les études pharmaco-économiques, populationnelles, le cancer. 4%. 4% de l'Afrique. Alors, les Tunisiens sont en train de développer le génome tunisien. Nous, où est-ce qu'on en est ? Avec les thérapies ciblées. Donc il va falloir que les pouvoirs publics, l'industrie pharmaceutique, la santé prennent des décisions pour qu'on aille sur ces nouvelles technologies. Moi, je ne suis pas d'avis de dire qu'on a été plus cliniciens. Nous sommes peut-être de la même génération, Anaoui et Kassi Khoudjaïek. Peut-être vous un peu plus, vous étiez plus avancés que moi, mais nous sommes dans la même génération. Il y a une nécessité aujourd'hui, on a besoin surtout dans les situations critiques. Pourquoi ? Je vous donne un exemple, je vous donne la parole, Sikal Boua, parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'ai été sollicité dans le cadre de ma spécialité de donner une conférence sur la ventilation artificielle protectrice. Et une grande firme qui m'a mandaté, que j'ai cité parmi les conflits d'intérêts, m'a sollicité pour faire une conférence sur la ventilation protectrice. Alors, il y avait un chapitre sur lequel je devais intervenir. La société m'a interdit d'en parler parce que c'était une nouveauté et qu'il fallait la développer en Afrique du Sud avant. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi ? Parce qu'un scientifique doit transmettre toutes les informations et toutes les données en matière de nouveautés et d'approches. J'explique. Pour être dans la fourchette thérapeutique, il y a des seuils de ventilation. Si on est au-dessus, on crée des barotraumatismes. Si on est en dessous, on crée de l'insuffisance respiratoire. Donc on n'est pas efficace et efficient. Mais quand on fait de la ventilation protectrice, on risque de déplacer la courbe vers le haut. Et les machines, que je devais faire la présentation sur ces machines, et sur ce mode, il y avait ce mode de ventilation protectrice avec une nouvelle nouveauté, une nouvelle approche technologique de cet appareil qui allait pousser un petit peu les choses, mais jusqu'à une certaine limite,
en fonction des données de l'élasticité du poumon et par rapport aux pathologies. Donc vous voyez, aujourd'hui, nous, si on n'a pas ces données technologiques, ces paramètres qui sont donnés par la machine, on ne pourra pas appliquer une ventilation protectrice à nos patients. Donc ça nous aide dans nos approches. Je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Simplement, il faut être vigilant, bien entendu. Parce qu'il y a la balance. Dans notre métier, c'est comme ça que ça se passe. C'est balance risque et bénéfice. Et on doit trouver l'équilibre entre les deux. Et ça, la machine ne peut pas le faire. La machine ne pourra jamais vous dire vous êtes sur le versant en excès ou là, le versant à défaut. Donc c'est notre expertise, c'est notre recul, c'est notre expérience qui décide des choix. Et des choix, les bons choix, au bon moment, pour la pathologie qui est parfois évolutive. Donc ce qui est valable maintenant pourra ne pas être valable dans quelques heures. Et c'est ça le grand avantage de ces technologies qui nous améliorent notre quotidien et nous soulagent, bien entendu, dans certains. C'est vrai que par moment, ils nous facilitent la chose. Oui. Je pense à ma conscience, je ne sais pas en matière d'oncologie, il n'y a pas de grande différence en matière de survie, de prise en charge d'un malade qui est atteint d'un cancer par une chimiothérapie normale à une thérapie. Je pense dans les secondes de vie, ce qu'on appelle de survie. À ma conscience, je ne sais pas, secondes de jour. Faire un paquet pour un malade, qui va bénéficier de ces choses? Est-ce que c'est pour le malade? Le système de santé peut faire face à ces choses-là. Faire qu'aulan, comme ils disent. Faire qu'aulan, هذه. قالوا كاين ربي قالوا كاين يقول كاين وكاين يقول ما كاش. Donc il dit qu'il y a كاين. Donc حنا نحضروا لك par exemple, je prends le cas du cancer des poumons dans votre spécialité, bien entendu, je parle que dans votre spécialité. À petites cellules. Il y a une révolution. Donc c'est ça l'avantage. On ne peut pas superposer ces nouvelles technologies à tout. Et c'est du cas par cas, bien entendu. On n'est pas ici pour... vous savez, en médecine, on n'est jamais sûr. Donc quand on nous pose la question, il n'y a jamais toujours ou jamais rien. Donc, il y a toujours des particularités. Mais les évidences, aujourd'hui, insistent pour qu'il y ait une approche avec un appui de cette technologie. Moi, je veux faire que cette technologie, derrière cette technologie, ce n'est pas en matière de diagnostic, en matière de prise en charge de malade. Derrière ça, je veux faire que des financements occultes. En tous les cas, moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Même avec General Electric, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Merci. Moi, j'évite de prendre la parole, mais ce que vous avez demandé. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour cette excellente conférence. Donc, ça complique la tâche du prochain orateur qui sera doublement éclipsé. Du tout. Et voilà. Donc, par rapport à la vision des sciences fondamentales, et à la place de l'expertise humaine par rapport à la machine et par rapport à ces technologies, je veux bien partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue pendant la période du Covid-19. L'équipe de Wuhan a essayé de trouver un indicateur biologique dès le premier jour des malades atteints du Covid-19 au service de Réa qui vont mourir. C'est-à-dire les gens, quel est le biomarqueur prédictif de la survie, de la mortalité chez ces malades.
Donc, ils ont rassemblé collecté toutes les données sur les patients, les données des variables biologiques, des variables cliniques, etc. Et ils ont travaillé avec une équipe allemande qui a développé des modèles bioinformatiques très poussés. Et ils ont fait deux papiers dans le groupe Nature. Nature, dans son journal Science Reports. Et vous pouvez consulter, vous pouvez trouver ces deux articles, ils sont accessibles, qui est open access, tout ce qui est COVID-19 est open access. Eh bien, puisque les chercheurs se sont fiés exclusivement sur les data, sur les données, on fait une faute très grave, vous pouvez la consulter sur Internet, que même un étudiant en troisième année de médecine, bon, c'est-à-dire qui a fait l'immunologie, moi je suis immunologiste, ne peut pas tomber dans cette... Eh bien, quand ils ont analysé toutes les variables, ils ont trouvé qu'il y a une protéine dans le sang qu'on appelle le C3, qui fait partie d'un système qu'on appelle le système du complément, que l'augmentation du C3 du complément est associée à la mortalité. Dans toutes les variables, il n'y a que cette molécule. Et dans la conclusion, et dans la discussion, et ensuite dans la conclusion, on lit dans ces deux articles que vous pouvez trouver, hein, c'est l'équipe de Wuhan, c'est l'épicentre, c'est la référence de COVID-19, on trouve que ces chercheurs, quand ils ont discuté, voilà que l'augmentation du C3 est associée à la mortalité, donc c'est le système du complément qui est activé, et donc on peut proposer un ciblage thérapeutique pour réduire la mortalité. Mais en réalité, quand ce système du complément est activé, normalement, le C3 diminue, n'augmente pas. Vous pouvez consulter. J'ai rédigé une lettre rapidement, parce que c'est Nature, je voulais que mon nom soit dans Nature, parce que c'est le rêve de tous les scientifiques. J'ai rédigé une lettre de 13 pages, où j'ai détaillé même les techniques qu'ils ont utilisées, et la faute, malheureusement, ils m'ont répondu, je peux vous montrer l'email, ils m'ont répondu que cette lettre est out of our scope. Ce n'est pas dans le domaine de nos publications. J'ai l'email. Okay? C'est par rapport, pour je vous dire, c'est-à-dire pour préciser que la place de l'humain, du praticien, est irremplaçable dans l'interprétation des données. Ça, c'est ce que vous avez demandé. Non, vous allez dans le même sens que c'est la validation. C'est comme un test, la validation interne et la validation. Bien sûr. En statistique, quand on fait un travail de recherche, vous le savez, on fait parfois la double saisie. C'est pour éviter les erreurs éventuellement. Donc, la machine ou ces technologies apportent un plus, mais la validation reste chez le médecin. C'est pour ça qu'on est complémentaire, on est synergique et additif. Bien entendu, il faut toujours avoir un œil regardant sur ces technologies. Vous avez une très belle présentation. Merci. Merci beaucoup. Je pense que la prochaine fois, monsieur Aouarek, Volontiers, monsieur Aouarek. Je ne peux rien vous refuser. Non, vous avez donné un côté technologique, c'est-à-dire des outils technologiques, pour aider au diagnostic, c'est-à-dire le clinicien de façon générale. Moi, je voudrais aussi que vous puissiez développer aussi l'aspect comme la question fondamentale des technologies, puisque vous avez parlé de la génomique, de la biologie moléculaire. Oui. Aujourd'hui, donc, les traitements, comme vous avez dit, sont des traitements ciblés, des traitements personnalisés, où chacun a un génome, et donc chacun répond différemment aux thérapies qui sont pratiquées. Donc, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, la formation médicale, une formation qui a été calquée sur le système français, qui est dépassée. Il faut revenir à une formation fondamentale telle qu'elle était pratiquée dans les pays anglo-saxons, où le médecin est d'abord un biologiste, d'accord, qui voulait une licence en sciences fondamentales, pour pouvoir faire de la médecine. Parce que, moi je me rappelle, en Angleterre ou aux États-Unis, quand vous allez chez un médecin généraliste, il vous prescrivait de faire des analyses biologiques, médicales. Il n'y a pas de centre d'analyse de biologie ou de médecine ou d'analyse du sang dans ces pays-là. C'est lui-même qui vous pique, c'est lui-même qui vous fait les analyses parce qu'il est en sciences fondamentales, il est biologiste. Donc c'est lui qui le diagnostique et c'est à ce moment-là qu'il vous oriente vers un spécialiste. Et c'est pour ça que peut-être en Algérie, c'est le cas, d'accord,
que les patients ne vont pas chez le médecin généraliste parce qu'il est un clinicien. S'il avait eu cette double casquette d'être un biologiste auparavant, ben, les gens iraient chez lui parce qu'ils voulaient qu'il ait les analyses, qu'il ait les collèges, donc j'aurais un bon diagnostic, il pourra m'orienter. Alors, on est directement un spécialiste. Le problème, c'est ça, c'est que tous les Algériens vont chez le spécialiste avant d'aller chez le généraliste. Ça veut dire que le généraliste n'a plus maintenant rien des zones isolées ou la parole ou la loula. Quel est le médecin spécialiste qui a dit tu marches à voir là, tu m'as demandé avec qui ou tu t'orientes directement chez un spécialiste. C'est pour ça que je me pose la question, peut-être dans votre dans la, cette nouvelle institution, d'accord, spécialisée, que peut-être il faut, parce que là, on rentre dans le monde des biotechnologies, dans le monde des nanotechnologies, dans le monde du génome, et donc l'aspect fondamental est important. Donc, c'est pour ça que peut-être le recrutement dans ces écoles-là, il faut que d'abord que vous ayez une spécialité en biologie ou en biochimie, ou là, dans ce cadre-là, pour pouvoir prétendre à devenir un médecin, d'accord, parce que un médecin donc, tel qu'il fait la formation aujourd'hui, vous lui dites de lire un génome, il ne pourra jamais lire un génome ou la séquencer un génome ou la détecter quelque chose à partir du génome. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est ça peut-être les nouveaux métiers, comme vous avez dit, de médecins du futur, d'accord, c'est vraiment un médecin qui peut analyser, faire un diagnostic sur la base de données qui sont données par des machines ou par des ordinateurs, etc. Ça lui permettra, je pense, de, c'est là où il pourra transcender son esprit, sa pensée, pour pouvoir guider, personnaliser, comme vous l'avez dit, personnaliser le traitement. Voilà, c'est pour ça que je dis, et la France n'est pas une référence dans la médecine. Professeur Hamou, vous avez la parole. Merci. Moi, je tenais à dire quand même quelque chose. Bien sûr. Je voulais vous remercier. Avec plaisir, monsieur le recteur. Merci infiniment pour cet exposé, pour toutes ces informations très importantes, très intéressantes. Et là, j'ai comme un sentiment qu'on a peur de la technologie. Qu'on a peur de... Si on n'est pas là, si on n'a pas la technologie... C'est-à-dire, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Le sentiment que j'ai eu, ça coûte... C'est pour les riches. La machine va remplacer l'homme. Moi, je pense que c'est pour les riches maintenant parce que c'est à l'échelle de la recherche. Le smartphone, il y a quelques années, c'était pas... accessible à tout le monde. Maintenant, il y a des enfants, ils jouent avec. Ils pensent que c'est la même chose pour les ordinateurs. Les années 50, avoir un ordinateur, on dit qu'on est actuellement dans les années 50 pour les machines, les ordinateurs quantiques. D'accord ? Si on compare un peu. On est déjà dans le quantique. On est déjà dans le quantique. Mais, c'est-à-dire, si on compare avec l'histoire des ordinateurs, on est à peu près dans les années 50. Ça veut dire dans peut-être 50 ans, 60 ans, les ordinateurs quantiques seront disponibles à tout le monde. Donc, moi je pense, je pense que ça a été dit par tout le monde et surtout par professeur Hoffen, le métier de médecin va changer. Le médecin va changer. Il n'y aura plus un médecin comme on le connaît maintenant, mais c'est un médecin plus spécialiste, qui maîtrise des technologies. D'accord. Voilà. Donc, le plus, je pense, c'est la moralité. Tout à fait. Parce que quand on va aller à des limites, l'humanisme, c'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où le médecin va avoir plus de moralité, parce qu'à un moment donné, on va arriver à, comme vous avez dit, régénérer les organes, régénérer donc un être humain. Si on régénère des organes, ben, on va arriver à un moment donné, on va avoir des clones, et on va aller dans un monde. C'est ça, c'est la moralité en fait. C'est-à-dire qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. À un moment donné, on va les dépasser. Parce que comme vous l'avez dit, il y a une chose qui
peut-être inviolable, c'est l'esprit, la conscience. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, est-ce qu'une machine peut avoir des sentiments? Non. Des émotions, hein, des sentiments, des émotions, une âme. C'est l'âme en fait, parce que nous, nous sommes un corps, un esprit, donc c'est du matériel. Donc on peut le réparer, on peut le faire, parce que c'est du matériel, donc on pourra cloner. Mais l'âme, mais c'est que l'âme qui revient à Dieu, hein? C'est pas le corps qui revient à Dieu. Donc Dieu nous a donné pour différencier, parce que je pense que Dieu sait tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'on va arriver un jour à des clones, hein? Qu'on va arriver aujourd'hui à des cyborgs, mais il y a une chose qui va nous différencier par rapport à l'âme, c'est l'âme, c'est notre âme. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est la moralité qui va prendre le dessus. Voilà, je suis très philosophe. Non, mais je vous rejoins. Vous savez, là, je rejoins M. le recteur et je vous rejoins sur une vision. Vous savez, tout est réglementé. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire cette présentation, pas sur le plan pédagogique, parce que je ne connaissais pas la population cible. Donc j'avais une grande difficulté pour agencer les choses. Mais j'ai fait en sorte que parmi les premières plaques d'Yaouli, je parlais de l'éthique. Quand je parlais de l'éthique, et j'ai posé quelques questions fondamentales sur lesquelles on construit. Et j'ai dit une chose dans notre métier. L'éthique, la déontologie, c'est important. Et on soigne une personne, on ne soigne pas des objets. Donc on soigne des humains. Donc, et ça, c'est important. Si je dois résumer, si je dois, avec votre permission, si je dois transmettre des messages, nous avons nos spécificités culturelles, sociologiques, et nous avons nos problèmes. Problème de santé publique. Et j'ai cité les trois transitions. Donc c'est ça, les fondamentaux. Ce que je dois dire aussi dans nos problématiques d'approche, c'est qu'aujourd'hui, les modèles, il y a plusieurs modèles. Et nous avons, quand je dis nous, c'est le groupe de travail qui a fait la réflexion sur l'école du futur en médecine. Ou là, sur l'avant-projet des assises des sciences médicales que notre département ministériel est en train de mettre à jour et d'initier ça, peut-être pour mai ou pour juin. Je ne pourrais pas en parler parce que c'est encore en discussion, donc en finalisation. Je suis gêné par rapport à une chose. Je le dis avec toute honnêteté intellectuelle, parce qu'il faut faire notre lecture critique, c'est que nous sommes cloisonnés et on n'arrive pas à s'extérioriser, nous les médecins. J'aurais aimé qu'il y ait une équipe d'ingénieurs dans notre service sur lesquels on peut discuter. L'avantage de Sidi Abdallah, certainement il doit avoir des avantages. Parmi les avantages, c'est que si on implémente là-bas l'école, c'est qu'il y aura les technologues, les nanotechnologies, donc c'est les médecins, dans la formation des médecins qui sera injectée là-bas, aura des plateformes collaboratives et ils seront en interconnexion. Donc, ils auront les yeux bien ouverts sur le monde de la technologie. Je reviens à M. le recteur. Ce pôle technologique, il a une grande spécificité et beaucoup de points forts. Les hôpitaux sont à côté. Donc, il va falloir que, éventuellement, les technologues s'incrustent au niveau des structures hospitalières. Et là, c'est un travail de deux départements qui est important. Et en plus, il y a un centre de recherche, le CRASC, des sciences anthropologiques et culturelles. Donc tout ça, la mayonnaise peut prendre, éventuellement. Parce que j'ai dit tout à l'heure, dans ma présentation, le monde de l'ingénierie, le monde des sciences médicales, et tout ce qui est les sciences humaines et sociétales ou la anthropologique.
pour essayer de trouver des solutions par rapport à nos spécificités. On l'a compris. On l'a compris que seul, on ne peut pas arriver seul. Sans la technologie aujourd'hui, nous avons des appareillages, des systèmes de télésurveillance, de monitorage, qui nous imposent aujourd'hui d'avoir une autre vision que celle du praticien que nous sommes. Et ça, c'est important et fondamental sur cette question qu'on doit travailler pour essayer de hisser les choses. Alors, j'ai compris par votre intervention, M. Aourag, que vous me sollicitez pour faire une présentation par rapport à l'utilisation réelle, pas par rapport à ces technologies. On pourra travailler là-dessus, je pourrais revenir là-dessus. Il y a une chose que je voudrais, je l'ai déjà exprimée, mais là je l'exprime en public, c'est l'esprit One Health. Et ça, c'est important. Donc, si vous êtes d'accord, monsieur le recteur, avec monsieur Aourag, je suis prêt à une deuxième conférence ou à une troisième conférence dans ce sens. Et on définira aussi le public cible comme ça. Je pourrais réajuster les propos parce que là, c'était un peu de vulgarisation à la système de Qaada Science, bien entendu. S'il n'y a pas de questions éventuellement, je pense que c'est bon. Merci, professeur Aufen, de votre conférence très riche sur la santé du futur. Je remercie l'assistance des questions passionnantes. Je remercie monsieur le recteur pour votre présence, bien sûr. Et je vous dis, bien sûr, à la prochaine. Et Saha Sorkom, Inch'Allah. Saha Sorkom. Merci. Bien sûr, parce qu'on appelle, il y a des plans, on va faire ce qu'on appelle MCIET de NBA. MCIET. Je vais vous